If I draw five for the day, then we ain't gotta worry, we're nice for the day. Inspired by the sun, take flight for the day. Sipping a cold beer, sunshine in your face. Long nights are crazy, we are on them. My name's Wiley, yeah, play my song then. When I arrive, I'm causing a heat wave. I got vibes, I sell people on them. I'm a party, I'm going to dance. Put your hands up on my body. On my body, on my body. Put your... Hey, bonjour à toutes et à tous. Comme promis, donc voilà, comme je viens de dire, la sonneuse S690i, quasiment la plus grosse machine, je crois. Et voilà, j'avais attaqué. Donc là, c'est du soja qui était en train de récolter. Là, on va faire un petit tour. La bête. Elle a une coupe là, c'est la grande coupe hein, de toute façon. Il n'y a pas d'eau disponible pour la machine. Vous voyez, elle a un convoyeur mais en tapis. Tapis caoutchouc, hop. Voilà. Elle a des options. Des options sympas. La porte. Elle a bien dessiné. Hein. C'est bien représenté. Les chiffres de ton moteur. L'heure qui correspond à l'heure du jeu. Vous allez voir aussi là, la manette du gaz qui va bouger en manuel. Ça me sert à l'avant. Voilà, c'est bon, si ça part derrière, tac. Quand vous mettez le régulateur, voilà, le sonore automatique, elle ne bouge pas. Ça, par contre, ça va pas être parce que la bouffe. Sur la valeur, je vais la supprimer. Les chiffres avec les prix qui ne sont pas grand chose. Là c'est toujours pareil, on peut régler le rabatteur avant, arrière, en haut. Voilà. J'ai plus de maïs qui se bat en l'air. C'est un peu froid. D'accord, pour mettre les phares pour que l'écran s'allume là.
c'est bien représenté, c'est bien salé là, ça dépote là.
Voilà. Voilà. Et c'est la machine là, je le finirai. Là. Tu descends. Donc, qu'est-ce que j'ai c'est de faire. La tâche c'est toujours pas fini. Ah voilà. Massé Ferguson. Cent treize quarante sept S. Non, c'est le moyen. Chaîne du jeu, tout comme ça. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on nous a? Je vous ai donné le jeu. C'est le plus classique. Moi, je ne veux pas le plus classique spécialement. Là, c'est le tournesol. Déjà, un champ tournesol, ça joue à contrôle. On est seul. Alors, c'était du tournesol, mais il est pas. La fille est pas bon. Et ben, il est prêt. Il est pas tout prêt. Faut y aller. Je crois qu'en fait je suis à 103. Enfin, définitivement je vais la vendre, je vais pas demander à Lucie pour ce scène. Je peux pas l'arrivée du champ. C'est un modèle classique. Alors, on a les arts. On va en profiter. Pour acheter. Et nous, on se le donne. On y va, c'est. Celle-là, c'est vraiment la base. C'est toute celle-là. Vas-y, lâche. Elle fera tourner seul, elle peut tourner seul. Maintenant, il faut une voir des coups. Alors, là, on a le choix entre prendre une coupe avec des becs comme ça, comme le maïs, ou spécial, fait exprès pour ça, et que pour ça.
Par contre, les bébêtes. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le tournesol. Le tournesol, il m'a dit ça. Il faut que je fasse bon. Ça va. Hop. Ça va. Tu as acheté les deux. Ça va présenter. C'est bien sûr. C'est bon. J'ai une sur l'autre là. Voilà la différence, mais c'est une trémie forcément de plus grande capacité sur celle-là. L'arrière est arrondi, donc du carénage. Je sens qu'il me l'a mis à l'envers. L'avantage donc du coup ouais, avec la isolée on peut plier les coupes. Avec elle, on ne peut pas la plier, ne jouise pas. En score, évidemment. Il faut la remorque, la méga remorque. Je ferai exprès par contre de balancer. Non, pas trop non plus. Ça ne plus pas. Il faut que je pousse. Ça. Alors, la remorque, c'est une coupe de combien? Je note. Celle-là. Parce que la masse est en rouge. Alors, c'est parfait, on nous l'a mis devant. Vous voyez, pourtant, elle va dépasser. Tentons de décrocher. Nickel. Oh là là, c'est une chance. De toute façon, c'est une question d'habitude. Il y a quand même plus de chance parce que des fois, on ne sait pas.
très vite basculer en point de vue. On va voir comment il faut la viser, c'est par lui. Même en niveau. Petit peu de lumière. Intérieur. On fonctionne et pas assez bien, il y en a trop aussi. Là, c'est clair que la sortie est un peu mal. Ça passe. Je vais essayer de voir pour modifier mes verres dans un magasin plus grand parce que franchement c'est pas possible. Notre raccourci. Voilà, arrivé. Chambre normalement, ouais. Là, il y a une entrée dans la porte.
deux semaines derrière le pédalier. Lancement. Ça ne peut pas aller, sinon on va sauter le machin. Ça va passer. Oh, je suis pas tout ce que c'est ici. Non, il ok. Ah oui. Je vais ici. Un quart d'heure, donc j'en ai. Ça va pas. Voilà. Alors, le système il est très simple. Dans un convoyeur, il y a les grandes grilles, enfin les grandes piques là. Comme une grille, il va venir choper les tiges du tournesol. Moi, on est sûr que tout vient dedans et normalement, voilà, on peut soulever une lame. Et un petit rabatteur qui est en dessous, en fait. Le rabatteur m'a aidé griffes. Il va venir choper juste la fleur de tournesol. De toute façon, ça sert à rien de prendre le reste. Ah oui, j'achète le champ, c'est toujours mieux. Alors. Ça, on peut prendre le hiatus. On peut attaquer. Et on a juste cueillir la fleur et le poil. On va jouer là. Parce que ça, il faut que la logique. C'est pour le second, là. C'est toujours la même chose, hein. La vitesse, 6 km par... Ça va venir agir comme une sorte de peigne qu'on prend par-dessus. Ça que juste les fleurs, le temps que ça aspire, c'est bon, les graines retombent dans le convoyeur. C'est la coupe parfaite pour ça.
pas non plus au sol. On vient juste prendre la fleur. Ce qui fait que la machine travaille beaucoup moins quand même. Que tout à l'heure, on est à chercher pour le deuxième tour, on est à chercher beaucoup. Et tournesol et maïs. Voilà, nous savons aller contourner les arbres. Certains qui les coupent, c'est les traditions qu'on les trouve. Le décor, c'est le décor. Dans la vraie vie, il y a certainement encore plus dense. Mais s'il n'y en a pas, mais quand il y a un arbre, il faut savoir contourner. C'est tout.
pour le premier tour. Ça coupe. Je vais poser là. Je vais chercher la deuxième. Et il n'a pas besoin de remorque. C'est un avantage. Maïs qui peut aussi répéter tout de seul. Le seul problème c'est que ça va faire travailler un peu plus la machine, ça va avaler les tiges. Il y a plus de détritus qui vont sortir derrière, même si dans le jeu ça, je crois pas qu'il le montre vraiment.
On a fait une erreur, j'avais là aucune chance. Alors, ça serait sympa, ça de vérifier dans l'épisode avec Philo si on vient de penser ça maintenant, mais. La raison de récolte, justement. Et combien là, donc là, on a fait un tour à 7315. Évidemment, là, le tour il va être un peu plus petit, mais pas, il n'y a pas une différence immense. On va quand même vider la machine. Test en direct. Donc là, il faut aller chercher pour ça. Donc, utiliser les options. Alors, on sait que le tour il sera un peu marrant. Donc sur un 7000, on va dire que ici, cette coupe-là fait 7200 récoltes, elles sont quasi identiques. On va dire quasiment identiques. Si par contre elle fait plus, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre celle-là au niveau rentabilité. Ah oui. Décidément. Juste, on va vraiment bien pour faire un coup. Elle fait 12 mètres. 12 mètres. Déjà,
La même taille. On va croire qu'elle est plus grande, mais non. Non, non, non. Elle le prend quand même un peu plus bas là. Je vise d'un truc.
Ah bah alors là par contre... Bon bah y'a pas photo quand même. Y'a pas photo. 300 d'écart. Comme ici c'est la coupe tournoisse, alors en même temps ça paraît logique. Puisqu'elle faut pour ça. Ça vouloir, c'est... Quand on achète, on va y arriver à se passer là. Ça me fait vraiment une partie sans. Comment? Sans cheater l'argent, j'aime pas trop ce terme. Bon, forcément, on achète ça en premier, qui est polyvalent. Mais bon, je pense que quand on achète ce type de matériel, c'est qu'on a quand même déjà pas mal d'argent. Et qu'on peut se permettre d'acheter beaucoup différemment. Bon bah voilà, du coup, on teste en direct comme quoi. Donc là, bah... Il y a pour le maïs, mais pas pour le tournesol. Bon bah voilà, on va faire à peu près le tour. Le maïs en silage c'est fait. Les betteraves c'est fait, les pommes de terre c'est fait. Le colisier ça a été fait tout à l'heure. Le tournesol. Le maïs sans grain. Blé et orge pareil. C'est fait avec la classe. Donc le blé et l'orge c'est pareil. Bah, je crois que là on a fait le tour de la cote, hein, mais... Ça c'est fait. Cosa, l'orge, le blé, donc voilà, cosa je l'ai fait, on est sans bien le faire. Le... Ça c'était fait juste avant, avec la John Deere. Maïs, c'est fait, l'herbe, les patates, les betteraves, c'est des arbres. Bouclier, oui, oui. C'est les arbres, c'est les arbres. C'est pas mon truc. Regardez d'autres chaînes YouTube, il y a plein de gens qui font exprès. Ça, donc, ils seront plus à visiter, ça que moi. Et quoi, le radis? Ah oui, c'est le truc qu'il faut raser. Du compost, enfin, quelque chose de fertilisant, mais naturel. Ça, c'est un truc. Personne n'y pense. Est-ce qu'il y a des champs aussi qui sont plantés avec ça? Sur ma carte, il n'y en a pas. Ça, c'est réglé.
sauvegarde. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Your head spins.